Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 22 mars 2024, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, ma petite philosophie du matin, de ce matin, qui d'autre que nous peut décider de ce qui est bien ou mal pour nous ? Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange du reflet intérieur. Oui, nous amenons à nous des personnes où nous faisons écho, avec qui nous faisons écho. Ça peut être 1% de ce qu'on est. C'est le reflet de notre intérieur qui reflète à l'extérieur. C'est quoi l'ange du reflet intérieur? C'est notre miroir. Et lorsque nous attirons à nous des personnes, eh bien, nous avons peut-être un pourcentage de ces personnes en nous. Si tu regardes ton environnement, eh bien, tu y verras aussi le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Tu peux voir ton reflet dans le regard des autres. Lorsque tu rencontres, eh bien, une personne lumineuse et remplie d'amour, es-tu capable de te laisser envelopper par ces énergies de lumière? Et comment l'aperçois-tu, cette personne? Eh bien, sache que cette personne est un reflet de ce que tu es, de ce que tu possèdes en toi. Si maintenant vous attirez une personne maussade, eh bien, c'est un pourcentage de vous. Et lorsque la vie, dans sa grande sagesse, dépose devant toi une personne qui semble, eh bien, te heurter, remercie et interroge-toi profondément, car voilà une occasion de guérir et de purifier quelque chose en toi, simplement en te posant des questions intérieurement. On attire ce qu'on est, n'est-ce pas? Et si une personne semble manquer d'amour à ton égard, ou qu'elle semble te manquer de respect, regarde à l'intérieur de toi à quel moment tu as manqué d'amour ou de respect envers toi-même. Toujours revenir à soi, n'est-ce pas? Ça, c'est important, c'est un grand travail à faire sur soi, revenir à soi. Pourquoi vivons-nous une telle chose? Il faut revenir à soi. Il y a toujours une petite infime, un petit pourcentage de ce qu'on est. Alors regarde la vie, regarde ta vie et le monde qui t'entoure, avec ce regard, eh bien, ce regard angélique, n'est-ce pas? Émerveillé et rempli de gratitude et d'amour, sois amoureux, sois rempli de gratitude, sois bienveillant, sois sème du positif, tu récolteras du positif. Très beau message pour terminer, le reflet intérieur, n'est-ce pas? Chaque personne que nous rencontrons, eh bien, il y a un miroir avec nous et il y a un pourcentage positif et négatif de cette personne que nous avons en nous et c'est à nous à faire ce travail. Eh bien voilà, je vous souhaite, l'affirmation positive pour ce vendredi, des changements positifs arrivent dans ma vie. Ben voilà, des changements positifs arrivent dans ma vie. Je vous souhaite une excellente journée et puis un très beau week-end. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, prenez soin de vous en douceur, avec beaucoup d'amour. Prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.